Vous avez la parole. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais réitérer les excuses que nous avons présentées par le biais de Madame Traoré. Vous savez tous que c'est cet après-midi qu'on devrait faire cette conférence de presse à 16h à mon domicile. Vous voyez l'assistance, vous comprendrez qu'avec les mesures barrières, cela puisse poser problème. C'est la raison pour laquelle nous avons, j'allais dire, in extremis, changé le lieu de cette rencontre. Cette salle va être occupée dans l'après-midi. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette rencontre le matin. Donc voilà, un peu les réaménagements qu'il a fallu faire. Entraîner ce retard, nous nous en excusons, parce que ce n'est pas notre habitude. Le président de la République, Macky Sall, a cru devoir changer son gouvernement et, dans le même temps, nommer un nouveau président du Conseil économique, social et environnemental en la personne de M. Idrissa Seck. Notre parti a pris le temps qu'il faut pour analyser ces changements afin de pouvoir évidemment donner sa lecture de ces changements. Beaucoup de Sénégalais se sont posé la question de savoir que ferait André PADS et son leader par rapport à ces changements. Je voudrais dire que lorsque le 25 mars 2012, le candidat Macky Sall a gagné l'élection présidentielle, nous avons, dès le surlendemain, le 27 mars, le 25 c'était un dimanche, le mardi 27 mars, nous avons donné une conférence de presse pour indiquer à l'opinion publique nationale la nouvelle posture de notre parti sur l'échiquier politique. Nous avions alors dit, après avoir félicité celui que les Sénégalais avaient élu, que nous étions désormais dans une opposition ferme et résolue. Le lendemain, 28 mars 2012, invité par votre collègue Papa Ndiaye dans l'émission Farah Fatié, j'ai réitéré cette position lorsque le journaliste m'a posé la question de savoir que ferions-nous si le président de la République nous solliciter pour entrer dans son gouvernement. J'avais ajouté que notre préoccupation était désormais de construire le parti en travaillant avec esprit de suite dans l'opposition. Depuis mars 2012, nous nous en tenons fermement à cette position. J'ai mis le lien de cette émission pour permettre aux journalistes qui adorent le VAR, ce n'est pas mal le VAR, suivre ce que nous avions dit en ce moment-là. Aujourd'hui encore, André Diop PADS n'a pas changé de ligne. Nous ne sommes pas dans des logiques, ni dans des dynamiques de participer à la gouvernance du président de la République. Le bilan des 8 ans de Macky Sall montre amplement que ni ses orientations, ni ses politiques, ni la qualité de sa gouvernance n'ont été des bases fiables pour conduire le pays à un mieux-être. L'obsession du président de la République devrait être aujourd'hui la résolution des questions lancinantes du chômage et du sous-emploi de cette jeunesse qui meurt par centaines, voire par milliers dans les mers et dans le désert, ou qu'on vend comme du bétail sur les marchés libyens. Nous devons tous avoir une pensée pieuse
pour ses fils du Sénégal, mort à la fleur de l'âge, à la recherche du fat gâté, introuvable chez eux. Je présente mes sincères condoléances à leurs familles respectives et au peuple sénégalais tout entier. L'obsession du président Macky Sall devrait être de résoudre le problème récurrent de la faim et de la malnutrition dans notre pays avec une agriculture délaissée dont le poids ne cesse de dégringoler dans le PIB, à peine 10% de cette agriculture aujourd'hui contre 15% en 2012, il y a 8 ans, là où des pays africains font des taux de 30% ou plus de leur agriculture dans leur produit intérieur. Nous importons plus de 600 milliards de francs CFA en produits alimentaires pour un peuple qui a tout ce qu'il faut pour manger à sa faim et en qualité. L'obsession de Macky Sall devrait être de prendre en compte la situation sécuritaire et politique explosive qui prévaut en Afrique de l'Ouest, avec une guerre asymétrique presque partout. Le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et même la Côte d'Ivoire au nord, pour prévenir les risques de contamination qui planent sur le pays. La pandémie du